S'il y est une facette de Madonna que l'on voit assez peu, provocatrice, fêtarde, parfois avant-gardiste, parfois seulement vulgaire, la chanteuse est également une maman attentionnée pour ses 6 enfants. Et ce week-end, s'il y est l'un de ses fils, David, qui en a fait l'expérience, alors qu'il célébrait ses 17 ans en compagnie de sa famille et de ses amis, celui-ci a vécu une fête complètement folle pendant laquelle sa mère n'avait rien laissé au hasard. Organisée sur le thème des années 70, la soirée a mis en scène la chanteuse déchaînée sur le dance floor, une perruque rousse sur la tête et une mini-robe verte pour la couvrir. Souriante, elle semblait ravie de célébrer l'anniversaire de son rejeton en faisant la fête à ce point. Il faut dire que celui-ci pourrait bien être l'héritier de sa mère, en costume à paillettes, bottes des années 70 à talons dignes des meilleures tenues d'ABBA, pas de danse lascive. L'adolescent se déhanche sur la piste de danse dans un moment de folie inattendu. À noter que ce n'est pas la première fois que le jeune David s'expose en costume coloré et branché. En août dernier, alors qu'il était invité à une soirée en l'honneur de sa mère, il s'était présenté en costume bleu brillant Schiaparelli, torse nu sous sa veste. Une tenue qui avait attiré tous les regards, surtout que les apparitions du jeune David sont plutôt rares. Bref, la relève est clairement assurée.